petit match commenté de ma part, voilà, contre quelqu'un qui faisait un test d'adhésion. Il commençait avec un bloc de Simiabra, je faisais pareil, il est plus rapide ou je sais pas. Voilà, ça passe. Là, je me suis dit qu'avec Gratak, je risque rien. Je tente quand même l'hydrocanon parce que je sais pas ce qu'il y a derrière. C'est un Suicune, donc je vais pas rester. On sait jamais qui me fait laser glace. Il place une protection. Moi, je me dis qu'avec Excellangue, enfin, coup de langue, excusez-moi, je vais tenter de paralyser. Voilà, j'ai une chance sur 3 normalement de réussir. La première fois, je le loupe. Je me dis que de toute façon, je risque rien. On va quand même continuer. De toute façon, le toxique va pas me tuer tout de suite. L'hypégon, il peut me faire quoi? Il peut rien me faire. Il va faire demi-tour ou colère. Dans tous les cas, je peux continuer à faire plaquage. Je continue. Là, il y a un 6A en face. Je me dis que c'est le moment de switcher parce que c'est trop risqué de rester. Voilà, il peut me faire mal. Donphan, il risque pas grand chose. Un Danslam, je me dis qu'avec séisme, il va manger cher quand même. Et il me fait demi-tour. Je m'y attendais pas, j'avoue. La protection, elle est finie. En plus, il y a Suicune. Là, je me suis dit que le Suicune, il allait certainement la replacer. Il va pas m'attaquer. Donc, tant qu'à faire, on va essayer de gagner du temps et on va enlever les pièges de roc. Voilà, voilà. Là, c'est le moment de switcher sur coup de langue qui risque rien. Voilà. On va encore tenter la paralysie. Au bout de la quatrième fois, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Moi, je pense que ça va passer. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Je pense que, eh ben, ouais, ça passe, ça passe, ça passe. C'est passé. Excellent. Voilà. Excellente, plutôt. C'est le cas de le dire. Voilà. Maintenant, je me dis qu'avec Jirachi, avec tête de fer, en étant rigide, plus la paralysie de Suicune, je risque pas grand chose, je peux le axer comme un Togeax, voilà, sans avoir fait la paralysie avec Jirachi, étant donné que moi je suis Girascarf, voilà. Donc là, je me suis dit que Suicune, il allait pouvoir manger, au final, il peut difficilement réussir plus d'une attaque sur 9, donc tant mieux pour moi. Donc je me dis qu'au pire, il y a un sort qui va placer. Là il le place effectivement, tant mieux pour lui. Mais il sait qu'au final il va manger cher avec Suicune, donc vaut mieux switcher. Si Zayok, je lui fais des dégâts, mais je sais qu'elle relie là et je sais qu'il peut me faire plus mal. Donc vaut mieux switcher sur Elector qui risque rien. Canicule bien entendu, il y a Libégon en face. Donc je me dis, on va placer Dratak. Je m'attendais pas à la colère de sa part. Il se fait la colère, ok, il nique mon Dratak. Ok, je le niquerai derrière. Je me suis dit comme ça, il est intimidé. Coup de langue à une bonne résistance physique. Il a point glace, et ben il mange le Libégon et il crève. Voilà, coup de langue, il a fait son boulot, je peux plus rien en faire. Donc je me dis que autant le laisser contre Simiab. Non, c'est après que je le laisse, ouais. Là j'ai switché, je sais pas pourquoi. J'aurais pu perdre Jira, c'était dangereux. Mais bon, je le perds pas, c'est l'essentiel. Voilà, vaut mieux perdre coup de langue, voilà. Donc coup de langue, je le laisse. Demi-tour me crève, bien entendu. Il y a un Suicune en face. Ça va pouvoir m'aider, vu que là, pour l'instant, je vais pouvoir placer tranquillement Philips, qui avec les pièges de roc va même récupérer tranquillement. Moi, j'ai une bonne attaque spé. En face, il y a un Dusk Noir. Je risque pas grand-chose, il va pas moigner de KO, donc je peux rester et continuer d'attaquer. Tentative d'augmentation de stats avec Vent Mauvais, bien entendu. Je sais pas si ça va passer ou pas, mais je me dis que vaut mieux tenter. En plus, il mange quand même cher. Voilà, je continue, ma petite tentative. Elector, il mange pas grand-chose là-dessus, donc vaut mieux faire des tonnerres à répétition. Voilà, il veut axer, il veut faire KG clair, mais voilà quoi. Moi, j'ai réussi une para sur 4 tout à l'heure, alors je me dis on va continuer les tonnerres jusqu'à ce que ça le para, pour essayer un petit peu d'équilibrer le truc, et puis ça passe. PE for the axe. Donc voilà, tranquillement, je me dis que là, ça va se jouer à Elector contre Elector. Moi, je sais que derrière, j'ai de quoi le gérer, les Elector, mais j'ai pas envie de perdre le mien tout de suite. Donc je me dis qu'on va rester, lui foutre la pression, essayer de le PP waster, lui faire perdre un petit peu. Hop, j'ai un Donphan, je peux tranquillement essayer d'enlever les PDR, en même temps le saboter pour pas qu'il récupère. Et puis voilà, le faire chier quoi à ce niveau-là. Voilà. Encore une fois, canicule, voilà, il me chatouille. Hop, là c'est évident qu'il va faire un tonnerre, il fait le tonnerre, ça m'affecte pas. Moi je peux faire mes éclats glace tranquillement. Là voilà, lui fait canicule, ça fait quoi? Ça me chatouille, hein. Bah ouais, hein, j'aime bien quand on me chatouille comme ça, moi, hein. Tu peux me chatouiller quand tu veux, mon loulou. Donc voilà, là il est mouru. Et ben il y a un Simiabras en face, il peut rien me faire s'il a pas une herbe. Voilà, étant donné qu'il était starter, je m'en doutais. Donc moi je lui fais manger cher. Il a la ceinture de force, c'était évident. Donc là je me dis que je peux continuer comme ça avec un éclat glace. Si Zayox va me faire quoi? Il est pas bandeur, hein. T'es pas bandeur, tu bandes, hein. Eh ben non, tu me crèveras pas, t'es mort. Voilà, coup critique inutile. Voilà, là il fait quelque chose de con encore une fois. Il place un Dusk Noir qui va crever.
Pourquoi il suscite son dieu noir comme un con, je sais pas, mais c'est son problème. Voilà, il place Suicune. Bah Suicune, moi je vais rester, hein. Je me dis voilà, tant qu'à faire, on va pas risquer un switch, on va prendre son temps et rester contre le Suicune. Il est paralysé, je peux lui faire des dégâts, je peux lui enlever son reste, voilà, tranquillement, je reste. Je me dis qu'il y a bien un moment où il va me crever, mais bon, tant que j'ai de quoi le crever derrière, c'est le principal. Donc là, je me dis que je vais placer Simia Bra, j'avais complètement oublié la protection, sans la protection il était mort. Voilà, je crève sur le surf, mais en même temps je sais que le Jirachi, il aurait pas pu le biter en un coup, donc tant qu'à faire, ça aurait été dangereux. Là, en deux coups il est mort, tranquillement, ça va finir le match, Jira Axe for the win. Merci, merci, c'était un match sympa, et allez, bienvenue à toi dans la team, bisous les